Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pathfinder Kingmaker. Lors du dernier épisode, nous avions exploré cette hutte abandonnée pour essayer de comprendre d'où venaient les pouvoirs du druide. Nous avons découvert que le druide était le père du seigneur Serre et que le seigneur Serre s'était retourné contre lui à force d'être maltraité. Un juste retour des choses, apparemment. Continuons l'aventure. Espérons que nous puissions trouver un moyen de détruire le Seigneur Serre. Ici, nous avons le Temple de l'An. Apparemment, c'est de là que viendrait le brouillard qui empêche de trouver la force, la forteresse du Seigneur Serre. Et ici, nous avons Gouttière. À combattre. Un pacochère géant, apparemment. Allons jusqu'à cette zone ici. Explorons ce petit coin pour savoir ce qu'il y a. Bon, ici, ça sert à rien d'y aller parce qu'on voit que c'est la fin de la map. Enfin, la fin de la map accessible parce qu'on voit que ça continue. Hein. Enfin, ici en bas, là. Il y a encore tout ça à explorer, mais on ne peut pas y aller. À cause du brouillard que nous allons dissiper. Bientôt. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Il n'y a rien. C'était donc très utile de parcourir ce lieu. On va se reposer, bien sûr. Nous sommes fatigués. Pourquoi êtes-vous contre... Ah, ça va trop vite. Ça va vite, hein, quand même. Pour... Les textes, il faut lire vite. On va, lors de cet épisode, aller faire Gouttière, je pense. Même si on est proche du Temple de l'Élan. Oui. Merci. Je pense qu'il est peut-être plus intéressant d'aller faire Gouttière plutôt que le Temple de l'Élan pour le moment. Ça fera avancer un peu la quête d'Amiri. On voit que c'est une quête de personnage. Et ensuite, on ira faire... suivant comment ça se passe, peut-être retourner même au comptoir d'Oleg pour voir ce qu'on peut faire. Et ensuite, on ira au temple de l'élan. Bien évidemment. Alors. On y est, cette charogne est là, je vais la tailler en pièces, ouais, admirer le spectacle. Et ne coupez pas la parole, s'exclama Mary en haussant la voix, comme pour éviter d'être interrompue. Je parle quand j'ai envie, voilà. Elle se refrogne et plisse le front. La barbare s'éclaircit la gorge. Là d'où je viens, il y a une coutume, pour prouver qu'il est un homme. Un jeune doit tuer le monstre tout seul. Oui, bah oui. La barbare se racle la gorge une fois de plus, comme pour chasser toute hésitation. Dans notre tribu, les filles, on les initie pas. Alors la mienne, je m'en suis chargée toute seule. Comme dans la chanson de Kegul, l'orphelin. J'ai tué un lion des cavernes en combat singulier. Regardez, j'ai des cicatrices pour le prouver. Et vous savez ce qu'ils ont fait les anciens, quand j'ai jeté la peau de l'animal à leurs pieds? Ils ont trouvé un prétexte fallacieux pour décréter que votre initiation n'était pas valide. Si seulement. Ils ont éclaté de rire. Ils se sont moqués de moi. Ils ont dit que je m'étais entaillé le ventre moi-même. Et que j'avais demandé à un homme de tuer le lion pour moi en échange de... Mon initiation, ils l'ont validée plus tard, évidemment. Ils avaient plus le choix, mais... S'interrompt Amiri, la voix étranglée par la colère avant de cracher par terre. Êtes-vous vraiment obligé d'affronter Gouttière toute seule? Nous ne sommes pas trop pour terrasser la bête avec vous. À bonne distance, Amiri examine la silhouette tout en muscles et les défenses acérées de Gouttière. Vous me croyez incapable d'en faire de la charpie? Quand les anciens voient qu'un jeune initié est en danger de mort, ils interviennent. Il n'y a rien de déshonorant à ça. Et je dis ça, je dis rien. Maintenant, écartez-vous.
Eh ben, aux armes. Gorom en soit témoin! Hurle la barbare en fonçant vers le sanglier. Et j'y vais seul. Qui va seul, mais regarde. T'es seul, mais accompagné. Hein, parce que voilà. Alors. Ok. Embêtant. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas casser ses os. Ah, je veux bien faire ça, moi. Voilà. Pendant qu'il a le dos tourné. Bon, pas mal. Et toi, tu vas faire brasseur d'os aussi. Allez, hop. Bien, bravo. Ok. Tiens, direct. Tu veux même faire ça, en fait. Voilà, il a déjà pris pas mal de dégâts. Allez, un petit. Bien. Tu projectiles magiques, tout seul. Et voilà. Quel talent. On a bien réussi, hein. Vous pouvez applaudir. Cette équipe n'est finalement pas aussi nulle qu'on le pensait. Le souffle rock. Amiri domine de toute sa hauteur le cadavre du monstre. Alors ça vous la coupe, hein. Oui, on t'a pas du tout aidé. Hein, tu as fait ça toute seule. Bien, vous avez vu ce dont je suis capable. Je lui ai quasiment tranché la tête. Tu étais au sol quand il est mort. Ce n'est pas toi qui l'as tué, c'est Valérie. Mais ce n'est pas grave, on va te donner cette victoire. Oui, une véritable bataille épique, comme dans les sagas. Je ne vais même pas avoir à remplir les épisodes de mon livre. C'est fini, épreuve réussie. Personne n'osera plus jamais dire qu'Amiri est une chief molle, rugit la barbare en bombant le torse. Un grand sourire aux lèvres. Vous êtes une vaillante guerrière. De pauvres fous ont vraiment osé douter de votre force? Ouais, j'ai eu le droit à ça, mais je leur crache à la face. Maintenant, il n'y a plus personne qui ose ouvrir, hein? Et êtes-vous blessé? J'ai vu que tu étais tombé au sol et qu'il te restait un PV. Amiri renifle avec dédain, avant de s'examiner à la loupe. Après quelques instants, elle laisse échapper un grognement. Ouais, j'ai quelques égratignures. Je ne m'explique toujours pas pourquoi vous vouliez tuer ce monstre. Cette épreuve, vous l'aviez déjà surmontée au sein de votre tribu. Les joues d'Amiri sont pourpres. Eh bien, il n'y a pas que les jeunes qui doivent s'y frotter. Avant d'être accepté dans une tribu, un guerrier doit lui présenter la dépouille d'un monstre. Vous prouvez qu'il a du cœur à revendre, quoi. Sa voix se réduit à un filet avant de s'éteindre. Je suis honoré de faire partie de votre nouvelle tribu. Vous êtes une guerrière courageuse et redoutable. Ah non, faut pas commencer avec réplique Amiri avant de s'interrompre. Cherchant ses mots. Ne me parlez pas d'honneur et de courage. Tout ça, je le savais déjà. Elle fronce les sourcils avant de se détourner. Mais je dois quand même vous remercier. Vous avez l'étoffe d'une vraie chef. Mais oui. Vous savez quoi? Si on croise un autre monstre comme celui-là, je le tuerai aussi. Pas pour passer une épreuve, non, juste pour que personne ne se dise qu'Amiri est une demi-portion. Bien. Eh ben ça s'est bien passé. Voilà. Eh ben on va pouvoir rentrer au comptoir de l'aigle, donner la tête de gouttière, et voir si on a des objets. Détection des pièges, ouais. Est-ce qu'on en a vraiment besoin d'une baguette de détection des pièges? On va peut-être soigner Amiri. Tac.
Voilà. Ben, ça s'est très très bien passé. Franchement. On ne pouvait pas espérer mieux. Ça annonce du bon pour la suite. Quand nous irons au comptoir de Léon. Au temple de Léon. C'est là on va rentrer au comptoir de la guilde, chercher notre récompense, et après on ira au temple de l'élan. Et si on va au comptoir de l'élan, des ennemis, mais bien, venez vous battre, faible créature. Et là il va y avoir deux gobelins, ils vont nous défoncer. Oui? Et où sont-ils? Où sont ceux qui osent nous challenger? Where is the challengers? Bon, ils ont dû fuir le bâtard. Comme des lâches. Quelle bande de lâches. Tu les donnais. Allez, en avant. Nous sommes fatigués. Ben reposons. Reposons-nous, on va récupérer nos sorts en plus. Vous écrivez ça enfin, Lindsay, mais à quoi bon? Tout le monde en oublie après votre mort. C'est pour ça que j'écris ainsi qu'on se souviendra de moi, mes histoires traversant l'éternité. Je n'accepterai rien de moi. Bien, 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 bien. Quand je serai devenu un dieu, je te... alors des caractéristiques? Perdez des cartes. Peut-être. Je ne sais pas. Ça c'était quoi déjà? Plaine détrempée. Là on a des chemins à explorer à nouveau. C'est quoi? Je ne sais plus. Champ des deux rivières. Bon, est-ce que cette fois il va y avoir des ennemis? Qui ose nous challenger? Des bandits. Bien, bien, bien. On va rester en position défensive. Voilà. Bon, bah. On est déjà fatigué? Oh, ouais. On s'était pas reposé? Pourquoi vous êtes fatigués, les gars? Ça y est, les gars, vous avez fait un combat, vous êtes cliqués. Faut arrêter un peu. Les mecs, ils ont marché une heure, ils ont fait un combat, ça y est, ils sont crevés. Ah là 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 là. Ah, mon petit Oleg. Lord Kaftan, véritable prêtre d'Erastil, la soigne s'entretenir avec vous. Et Gouchière a eu son compte. Vous pouvez accrocher sa tête empaillée au mieux. Oh. Oleg regarde la tête ensanglantée du sanglier, avec respect, puis touche sa défense pour en éprouver le tranchant. Sacré bestiau, j'aimerais bien avoir un beau trophée comme ça, mais un marché est un marché. La tête ira au vieux Benzen, et la prime dans votre poche. 400 pièces d'or. Très bien. Mais non, j'ai des trucs à devant, non, je suis con. Hop, tiens, déjà prends ça. Et on a eu un arc long de mètre en plus. On prend ça, ça, ça. Ouais. Pas devant, on va la garder, ça on va garder. Ça, tu peux récupérer, c'est de la merde. On aura toujours 800 balles de plus. Bon, on va se reposer parce qu'on est fatigué, puisqu'on a marché 10 minutes. Chaîne de vie. Et est-ce qu'on se ferait pas un petit peu de discussion avec les personnages, un petit peu de lore pour finir cet épisode?
me vient une idée. Bonjour, bah oui. Dites-moi plus sur votre ami avec Tessie la plume. Que voulez-vous que je vous dise? Si les livres m'ont donné envie de voyager, c'est Tessie qui m'a vraiment permis de prendre mon envol et de laisser mon village derrière moi. Au début, Tessie a tout fait pour se débarrasser de moi. En vain. Mais plus tard, quand je lui ai annoncé que j'avais l'intention de rester à Pitax, elle a versé une petite larme. Je me demande ce qu'elle est devenue. Dites-moi plus sur la bague que vous portez. Ah, ça ! Dit-elle en tendant le bras pour vous permettre d'étudier la bague. C'était un cadeau de mon premier professeur. Elle dispose de pouvoirs magiques. Insufflé par Chéline en personne. Quand je me retrouve dans une situation délicate, elle me transporte, bien sûr. Donc ne m'en voulez pas trop si je disparais subitement au cours d'un combat. Je vous attendrai ici, promis. Ouais, on peut lui dire de se casser, non. Ne partez pas sans moi. Oui. Bien. Kesten peut savoir plus sur sa famille. Essayons d'en découvrir plus sur sa famille. Dans ce cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Parlez-moi des terres de votre enfance. La maison Garès possède un certain nombre de vallées et de gorges dans les monts Golushkin. Le paysage tourmenté facilite sa défense. Les lieux regorgent de minerais et de tout ce que les profondeurs de la terre peuvent offrir. L'endroit est d'une rare beauté, soupire Kesten. Quand je suis installé à Restov, j'ai mis beaucoup de temps à m'habituer. Par-delà les toits, il n'y a que le ciel nu, pas une montagne à l'horizon. Dommage. Parlez-moi de la maison Garès. C'est une vieille famille bien connue. L'une des plus influentes de tout le Brévois. Autrefois, la maison Garès a conclu un pacte avec le clan des nains de Gulka. Les deux parties ont grandement tiré profit et en particulier les nains nous ont fourni le minerai nécessaire à nos forges, tandis que le seigneur Olan prenait les fils du chef de nos alliés sous son aile qui aurait pu imaginer la suite. L'hiver même qui a vu disparaître la dynastie Rogarvia du Brévois, le fils unique d'Olan, Bren, a été englouti par les montagnes. Quel destin tragique. C'est ainsi que le nain Toval Golka, pupille du seigneur, est devenu l'héritier de la maison Garès. Sa vie n'en a pas été facilitée pour autant. Ils ont été nombreux à s'indigner qu'Olan ne désigne pas quelqu'un de son sang. J'imagine que mon père pensait me voir lui succéder, par exemple. Même si nous avons tous comment les choses ont tourné. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Va aller parler à Harim, mais Jod, vous voulez s'entretenir avec nous? Parlons donc à Jod. Bonjour, Jod. Jod vous adresse un hochement de tête chaleureux. Que puis-je pour vous? J'ai besoin de l'aide d'un prêtre. Quel service offrez-vous? Quel service offrais-tu, mon petit? Je peux vous vendre divers parchemins de sorts divins. Ils vous seront fort utiles, et ce, même si aucun de vos compagnons n'est en mesure de les lire. Tant que vous séjournez ici, ou dans n'importe quel endroit où officie un prêtre disposé à vous aider, vous n'aurez qu'à ouvrir votre sac et à sélectionner le parchemin de votre choix. Et l'un d'entre nous se fera le plaisir de le lire pour vous. Par contre, restez sur vos gardes lorsque vous évoluez dans les contrées sauvages. Un parchemin ne sert à rien sans quelqu'un capable de le déchiffrer. Pour utiliser un parchemin au cours de vos voyages, vous avez besoin d'un lanceur de sorts maîtrisant la magie adéquate. Ou tout individu capable d'utiliser des objets magiques. Et parlez-moi des visions qui vous ont mené jusqu'au temple de l'élan. Je suis là pour ça. Qu'attendez-vous de moi? Trouvez le temple de l'élan, s'exclame Jod en fronçant les sourcils. J'ai tenté d'identifier son emplacement en recoupant mes souvenirs, et j'ai désormais une vague idée de l'endroit où chercher, le sanctuaire. Dans les terres les plus au nord des marges de Narl. Je n'ai toutefois pas la force d'entreprendre cette quête moi-même. Entendez ma supplique, voyageuse, et je vous le revaudrai au centuple. En cette période sombre, l'on s'entraide rarement, et par pure bonté d'âme, Kerastil nous le pardonne. Alors je suis certain que mes capacités de guérisseur vous seront utiles. Ok, bien. Et y a rien d'autre?
Pourquoi cherchez-vous le temple de l'élan ? Qu'y a-t-il à comprendre ? Les dieux ne nous envoient pas les visions sans raison. Jeune croise les bras sur sa poitrine. Nous devons nous rendre au temple. Nous découvrirons alors, je le pense, le sens véritable et la sagesse de la volonté d'Erastil. Une nymphe des environs m'a révélé l'existence du temple de l'élan. Elle pense qu'un druide fou, au service du seigneur Serre, y pratique autrefois des rituels. Jode grogne d'indignation. Souiller l'ancien sanctuaire d'Erastil, et par une magie aussi contraire à l'ordre des choses, comment ce druide a-t-il eu la force de mener son sacrilège à bien ? Arrêtons-nous là pour le moment. Parlez donc moi un peu de vous, mon ami Jode. Que voulez-vous savoir ? Quel est votre passé ? Mon histoire ? Pourquoi pas ? Vous méritez bien de la connaître. Je suis prêtre d'Erastil et originaire du Galt. Vous imaginez bien mon quotidien, embrasser les préceptes du dieu Serre, dans un royaume déchiré par la guerre et les révoltes. Rébellion et suspicion sont les piliers du Galt. Guidé par Erastil, j'ai tenté de conduire mes ouailles vers la quiétude et l'équilibre, de les préserver de tout jugement hâtif, jusqu'à ma propre chute. Imbécile, imbécile de Jode. D'accord, donc apparemment il a peut-être été renversé par ses propres disciples. Mon erreur a jeté une ombre sur ma vie et sur ma vocation. J'ai pris la route pour expier mes fautes, pour apaiser mon âme. J'étais au bord du désespoir lorsqu'Erastil m'envoyait une vision du temple de l'élan. À ce moment-là, j'ai su que le dieu Serre me montrait la voie de la rédemption. Et qu'avez-vous fait pour attirer les foudres d'Erastil ? Je te pousse un profond soupir. Eh bien, si vous tenez tant à le savoir, il nous faut plonger bien loin dans le passé et revenir à mon village. Des loups-garous rôdaient sur les terres alentours. Ils tuaient pour se divertir ou s'adonner à la chasse et laisser les cadavres pourrir sur les routes. Une nuit, ils ont pénétré dans la demeure d'une jeune femme et l'ont traînée à travers les rues. Un soir, un voyageur est entré dans notre taverne, comme tant d'autres errants de ceci, de là, au Galt. Ses vêtements étaient rapiécés et crasseux, après les journées passées à avaler la poussière de la route. Il était assis, en silence, dans un coin de la taverne, à boire une mauvaise bière, lorsque j'ai compris, en un instant, avoir affaire à un loup-garou. La réalisation a envahi mon âme, comme si Erastil en personne venait de me confier cette vérité au creux de l'oreille. Je te souris, mais ses yeux sont dénués de toute émotion. Guidé par la Providence, j'ai rassemblé mes ouailles, et nous avons marché sur la taverne. Le châtiment. John ne souhaite, de toute évidence, pas rentrer dans les détails. Le châtiment était rapide, mais j'avais commis une erreur tragique. Le jeune homme n'était pas un loup-garou, voyez-vous. Il s'agissait d'un bandit, qu'une bande de voyous locales avait envoyé glaner des informations sur le village. Nous l'avons découvert que plus tard, lorsque nous avons fouillé ses affaires. Vous auriez dû retenir votre main, chercher la vérité. Vous avez tout de même sauvé le village. Je vois. Quoi qu'il en soit, je ne savais pas tomber en disgrâce près d'Erastil. J'étais terrifié. La voix de Jode tremble. Les vestiges de l'horreur qu'il a traversée restent bien visibles, même après tout ce temps. Imaginez un peu comme mon cœur a battu à tout rompre. Lorsque j'ai de nouveau entendu, ici même dans les terres volées, la voix du dieu Serre. Il m'a donné une nouvelle chance de le servir, d'expier ma faute. Maintenant, j'ai retrouvé espoir. Et il y a pas de bien plus précieux que l'espoir. Parlez-moi de votre pays d'origine, le Galt. Pour certains, c'est une terre de liberté, où le pouvoir appartient au peuple, non au seigneur et au roi. Pour d'autres, c'est une terre de révolution permanente, un royaume abandonné à l'anarchie. Tout dépend de à qui vous posez la question. Bien, bien, bien. Pour moi, le Galt est... Il secoue la tête. Un endroit violent. L'on y pend,
un étranger pour son accent ou son apparence. Un seul mot prononcé au mauvais moment ou au mauvais endroit suffit à déclencher une émeute et à embraser un village. Un pays fort sympathique, quoi. Pour moi, c'est un royaume peuplé de gens terrifiés et désespérés, toujours suspicieux sur la défensive. Ils sont bien trop souvent sourds à la voix de la raison. Comme ils sont incapables de réaliser que le chaos de la sauvagerie se perpétue, est un cycle sans fin. J'ai œuvré toute ma vie à ouvrir les yeux de ces pauvres airs. Hélas, sans guère de succès, je le crains. J'en ai assez entendu. Merci pour la discussion, mon ami Jod. Allons discuter avec Harim. Voir la vision d'un autre prêtre. Bonjour, Harim. Harim tire sur sa barbe en marmonnant des jurons ou des prières difficiles à dire. Il remarque votre présence et grimace. Hein? Quoi? Ah, c'est vous, Amalia. Je vous ai surpris? J'en suis désolé. Oh non, ce n'est rien. Je faisais que réfléchir sur la futilité de l'existence et l'inutilité de l'univers. Les voix de Groetus sont si grandes que mon humble esprit de mortel peine à appréhender dans leur globalité. Mais je m'y emploie, répond Harim en souriant d'un air contrit. Ce dieu a l'air énorme. Le mec, il est là pour te dire que ça sert à rien de vivre. Trop bien. Parlez-moi de votre passé. Ma vie se scinde en deux parties. La première était remplie d'erreurs et d'errance aveugle. Je doute des et d'efforts pour servir Thorag. Qui est Thorag? Aussi appelé le père de la création, Thorag est le dieu des nains et de la forge, de la protection et de la stratégie. Stoïque et sérieux, il apprécie l'honneur, l'organisation et l'acier de qualité. C'est une divinité souvent distante qui confère un pouvoir magique à ses prêtres tout en laissant ses fidèles suivre leur propre voie dans la vie. Ok. Donc en fait, il a toujours été prêtre, mais il a changé de dieu. Très bien. La seconde a commencé lorsque j'ai ouvert mon âme à Croetus et reçu une vision nette du monde. Et d'où tu viens? L'histoire de ma vie commence à Larad, une ville de prêtres et d'acolytes, nains, au service de Thorag et des autres dieux des nains, les frères de Thorag, Angrad et Magrim, son épouse Folgrit et sa fille Bolka, les fils Krudinar, Kols et Trud, sans oublier sa sœur Drongvit. Retroussant ses lèvres d'un air de mépris, Harim poursuit. Ça ne me surprendrait pas qu'il bâtisse un jour un temple consacré au fidèle limier de Thorag. Désolé, je me laisse un peu emporter, admet Harim en soupirant et en tirant plusieurs fois sur sa barre. Larad est la deuxième plus grande ville des cités nains des Monts des Cinq Rois. C'est quoi les Monts des Cinq Rois? Les Monts des Cinq Rois sont des hauts pics imposants, riches en minerais et en champignons, l'or de fer. Des champignons de fer, très bien. Ils sont occupés par une importante population de nains, qui en fait la plus grande centre culturel naine de la surface de Colarion, et en dessous, Homme, la plus grande cité naine des Colarion, se trouve sous l'un de ses pics. Très bien. Elle a été bâtie autour de nombreuses grottes sacrées, autant de temples dédiés au culte et aux dieux nains. Des pèlerins affluent des quatre coins de Golarion pour prier à Larad. Certains choisissent même de rester. Cette cité est tout simplement habitée par la foi. On n'y fait pas trois pas sans croiser un prêtre, naturellement vu l'atmosphère qui règne dans la ville. J'ai décidé, tout jeune, de m'employer à devenir prêtre de Thorag. Très bien, parlons d'autre chose. Merci pour cette conversation, mon petit Harim. Et nous allons doucement nous diriger vers le temple de l'élan, bien évidemment, pour continuer l'aventure, un petit peu de lore est venu pimenter l'épisode. On va partir directement, on va garder le même groupe, pour le moment. Tavia et Gongar étant tous les deux des sorciers,
Cela me paraît pas forcément très utile de les avoir. Étant moi-même un magicien. Mais peut-être me trompe. Peut-être que je me trompe. Nous verrons cela quand nous discuterons un peu avec eux pour avoir les tenants et les aboutissants de ces personnages. Nous allons peut-être dormir avant de rentrer dans le temple de l'élan car nous sommes fatigués. Je voudrais. Voilà. Nous n'allons pas rentrer tout de suite, nous allons d'abord nous reposer. Je suppose que nous avons au moins une chose en commun, messire nain. Par le passé, nous avons tous les deux servi une divinité. À la différence que vous n'avez jamais retrouvé la foi au sens de votre existence, contrairement à moi. Oui, car Valérie était un paladin, nous le savons. Oui, valeur de caractéristique rétablie, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quelles caractéristiques nous avons perdues. Et sur ce, l'épisode a assez duré. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.